Soit d'ailleurs les amis, aujourd'hui 139e jour de l'aventure réveil à Kampot. Alors réveil à Kampot, mais je vais partir dans quelques instants là. Je viens de libérer ma chambre, le bus part à 7h, il est 7h-10, donc on devrait venir me chercher normalement dans très peu de temps. Donc direction Phnom Penh, et puis ensuite, comme je vous l'expliquais hier, en espérant trouver un minibus ou un minivan, peu importe le moyen de locomotion, en espérant trouver un véhicule pour aller à Prey Veng. Voilà les amis, tout bien, c'est parti pour une nouvelle destination. Bon, c'est parfait les amis, on vient d'arriver à Phnom Penh, alors on met un peu moins de temps sur le chemin de retour parce qu'on passe pas par Kep à l'aller, on passe par Kep, donc là on a mis que 4h, il est 11h. Le bus est passé pas très loin en plus du Psar Olympique, c'est l'endroit, c'est le marché dans lequel je suis en ce moment. On est passé tout près, donc j'ai pas arrêté le chauffeur, j'ai marché quoi, 5 minutes, je suis arrivé ici et j'ai trouvé un minibus là pour partir à Prey Veng, et Prey Veng ça part dans une demi-heure, donc ça me laisse juste le temps de manger, prendre un petit café, c'est juste parfait niveau timing. Les amis, je viens juste d'arriver à Prey Veng, il est un tout petit peu plus de 14h. Cool, là, je suis très content d'être ici. Je vais aller prendre une douche et puis direction le marché, petit jus de canne, je vous expliquerai un petit peu là le topo sur Prey Veng. Ok les amis, ça marche. Ah, je vais vous montrer la chambre. Alors, je suis au Angkor Thom Hotel, c'est ici que j'ai la plupart du temps logé, sauf quand je suis resté un mois ici. Le dernier mois que j'ai passé en 2015, quand j'habitais au Cambodge, j'avais loué une chambre chez une famille, je payais 35$ pour le mois entier, petite chambre rudimentaire avec le wifi, mais c'était parfait, c'était juste ce qu'il fallait. Et sinon quand je loge à l'hôtel, c'est toujours ici que je viens, c'est hyper bien tenu. Grand lit ici, table, bureau, télé, et puis salle de bain ici, voilà, bam, bam, normal, classique. Chamte. Et ici, si les tarifs n'ont pas augmenté, c'est 6$ la nuit. Voilà, il y a un super wifi, vous voyez, la chambre est nickel. 6$ la nuit. Ça, j'aime bien. Voilà les amis, je viens d'arriver au marché, retrouvailles avec le marché de Prey Veng. Voilà, c'est toujours beaucoup d'émotions, je vous l'ai dit, et de toute façon je vous le dis tout le temps, je suis toujours très content de revenir dans les endroits où je suis passé, mais vraiment Prey Veng c'est, je crois, pour moi l'une des villes les plus douces du Cambodge. Alors, quand on est immigré, qu'on vit au Cambodge, la vie au Cambodge est toujours très douce, mais vraiment je pense que Prey Veng c'est l'une des villes les plus calmes, les plus tranquilles qui soit au Cambodge. Moi j'adore cet endroit, il n'y a strictement rien à faire, c'est complètement en dehors des sentiers battus. Hein. Donc, quand j'ai passé un mois ici, j'ai jamais vu un étranger, j'ai jamais vu un baron ici. Mais c'est une ville hyper tranquille avec un gros marché très actif le matin. Là c'est l'après-midi, donc comme tous les marchés au Cambodge, j'ai plutôt endormi l'après-midi. Mais c'est une ville très sympa, il n'y a rien de particulier à visiter, il y a quelques villas coloniales mais un peu délabrées. Il y a surtout un grand lac là sur le côté qui est
très sympa qui dorment énormément de cachets, énormément de charme à la ville. En ce moment il est asséché parce que c'est la saison sèche évidemment. Et d'ici août, septembre, le lac va se remplir et c'est vraiment super chouette. Moi je suis venu à plusieurs moments de l'année. Et sinon, le dernier mois que j'ai passé au Cambodge, c'est ici que j'étais, je préparais mon voyage. En fait j'ai rien glandé pendant un mois. Je préparais le midi, enfin là, je faisais des grosses pauses, grosses siestes le midi. Je venais ici le matin pendant 2-3 heures. Après, je préparais mon voyage au Japon. Donc j'ai retrouvé déjà, j'ai revu plusieurs femmes là, que je connaissais. Ah, t'es revenu et tout. Là, ça fait déjà deux fois qu'on me dit, ah bah t'as repris du poids et tout. J'étais un peu maigre à la fin de mon séjour au Cambodge. Là, c'est bien, t'as repris du poids. Là, je me suis arrêté chez une petite dame chez qui j'ai l'habitude de prendre mes petites boissons, café ou thé glacé. Vous voyez, ça c'est son petit stand, c'est tout petit. Elle est vietnamienne. Elle travaille, elle est dans un espace de quoi 3 mètres carrés. Elle fait un peu de tout. Hein. Vous voyez, des sirops, il y a des poudres à mélanger, des jus, des sodas. Même si l'essentiel de son activité, c'est café glacé, café au lait glacé, thé vert glacé, thé rouge glacé. Le matin, elle est débordée tout le temps. Enfin, c'est la folie. Hein. Je ne sais pas combien de verres elle vend, de gobelets, là, de thé, de café par jour, mais c'est la folie. Donc, je suis très, très heureux d'être ici. Je vais rester deux jours. Demain, je vais me balader un petit peu. Je vais prendre un vélo. Je vais montrer le marché, encore une fois. Je pense que vous n'aurez jamais vu autant de marchés d'un seul coup. Et puis, je ferai un petit tour à la campagne. Et après-demain, c'est repos. J'ai décidé de me reposer, enfin de me reposer. D'avancer sur mes vlogs, faire du montage, mais je me baladerai pas, donc pour vous ça sera une journée, ça sera un vlog très très court. Détente, comme vous pouvez le voir là, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a donc le lac qui se trouve ici, alors là qui est un peu asséché, il y a même quand même un petit peu d'eau ici, là il a plu quand même pas mal je pense ces derniers jours. Donc le lac est vraiment énorme, hein. Ça va très très loin, ça fait je ne sais combien de kilomètres carrés. Et puis avec cette rue là devant, enfin cette rue là sur le front de lac, plein de petits boubouis qui s'installent, des marchands de canne à sucre. Le soir vers 17h, 18h, il y a des petits stands qui s'installent, on peut manger là face au lac. Il y a toujours du vent, vous voyez, il y a des arbres tout du long, enfin c'est vraiment propice à la détente. De toute façon, cette ville donne vraiment envie de rien foutre. À chaque fois que je suis là, c'est blanc total. Et ça tombe bien parce que c'est ce que je vais faire pendant deux jours. Tranquille, là ça fait déjà deux ou trois thés là, que je bois face au lac, tranquillement. En plus, là c'est. Je me suis arrêté chez une famille que je connais. Quand je suis resté là pendant un mois, là j'ai donné des cours d'anglais à deux adolescents, dont un gars qui habite ici et sa mère fait du thé justement. Donc vous voyez, il y a des petites tables qui sont posées juste en face du lac. Ah, les amis, c'est l'heure du dîner, je vous retrouve toujours en direct de Preiveng, voilà, fin d'après-midi paisible ici. Vous avez vu, j'ai retrouvé une famille, il y a des images là, que j'ai fait il y a quelques temps, vous avez vu, c'était la surprise quand je suis arrivé. C'est une famille chez qui j'allais tous les jours prendre le thé ou le café. Alors c'est une grande famille, il y a évidemment le père et la mère et il y a six filles. Alors six, je peux pas vous montrer, mais il y a six filles. Vraiment une famille adorable, il s'est passé beaucoup de choses en un an et demi parce que les deux filles aînées se sont mariées. Alors ils m'ont passé le DVD du mariage et tout. Ils m'ont ramené des fruits, un café. Avant ils faisaient du café et du thé, maintenant ils en font plus, donc ils sont allés me chercher un café glacé, ils m'ont ramené des fruits à manger. Enfin, vraiment c'est une famille adorable, j'ai passé pas mal de temps là ce soir avec eux. Et puis je suis rentré, petit tour au marché, et puis maintenant c'est l'heure de manger. Je suis dans une petite gargote, enfin je suis chez des gens, vous voyez la maison est juste derrière, je sais pas si vous voyez, mais donc j'ai commandé un truc à l'oc et puis j'ai pris ce soir pour manger Micha Saitko.
Donc nouilles sautées au bœuf. Et puis sur la route j'ai trouvé des Nam Kai, vous vous souvenez, j'en ai mangé à Kompong Schnang. C'est le petit gâteau qui a goût de Botro là, c'est vraiment excellent. Voilà, c'est la fin de journée, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée après Yveng. Très tranquille, très posée. Ciao, good night.